nzela o biso pe photo landa po un jour tomo na nzambe oyo papa Baruti alakisa ki biso tokuta na pe na papa Baruti tokuta tokuta na papa Baruti amen donc na kosenga na corps de Christ nyonso toye ba kobanga nzambe liwa ezali après liwa il y a une vie vie wana to kenda ka kosala yango kuna par rapport ya vie obso to memi a wana se ya moyi. C'est un peu ça, on a fait un message. Merci beaucoup. Merci monsieur. Madame. Ah, tout le monde encore bien, il y a Pasteur Baruti, référent Baruti, doit arriver à Corbia. Donc, pas si Maramingi. Donc, comme une réalité, Papa Baruti, à Tiki Bisso, à Grand Direct à Morgue. Donc, Corbia déjà, il y a et déjà. Donc passe dans mon thème, passe dans mon thème, babonner Lenga Congo, vous allez toujours en direct à Lenga Congo, pour votre l'exclusivité et matanga, y a Kondo, Pasteur Baruti, Reverend. Donc c'est un peu ça. Donc ma mingi au Kakorbia, y a déjà, Ezo y a déjà. Donc il y a qui fait ma corbia y a mot de Jésus ya. Donc ma mingi na motema. Ah ma mingi. Moli mon papa et ma nakimia. Témoignage à Beka Baruti et ça est ma cache parce que on a mal ingala na mukuso balola on fait na portugais pour la balanda rabiso témoignage à Beka Baruti et ça ma cache ça nous a tous dérangé alors on s'est mobilisé tu es vraiment en masse nous sommes nombreux attendre nos motos dans un coin mais dans peu de temps, il y a déjà un groupe présent dans le stade, Soubazan à côté de Katabernak, Soubazan à Bandak, lié parce que nous avons vu que, comme nous le disons, Aza icône, c'est quelqu'un qui a un bon témoignage, Aza qui représentait réellement, comme nous disons, les relèves. Donc c'est quelqu'un qui vit la parole, qui prêche la parole, qui démontre la parole. Alors, c'est ce témoignage-là, et puis c'est surtout à Bandak, qui était loin de jusqu'ici, ce n'est pas de l'eau à boire. Quatre ont traversé, on doit payer beaucoup d'argent. Et nous l'avons fait pour son témoignage. Qu'est-ce que vous retenez à cœur par rapport à papa dans les bons sens? Bon, sa vie. La vie de Beka Baruti. C'était comment? Bon, je pense que l'homme ne manque pas d'erreur. Mais ce qu'on peut voir à l'œil nu comme ça, c'est impeccable. Donc c'est beaucoup encourageant. Il faut se faire un peu de portugais. Pour complémenter tout, je suis aqui no centenaire, acho que na morga. Tom a seguir son nosso ancien Beka Baruti. Acho que todos para me acompanhar. A pouquinho vamos sair daqui. As irmãs, irmãos, estamos aqui a falar no nome de todos os angolanos. Todos os angolanos. Que fica a saber que no nosso ancião, ele levou uma vida muito feliz. Hoje em dia, Deus decidiu para lhe tirar nesse mundo. Esse aqui não atrava o trabalho dele. Um pouquinho posso dizer, só isso. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Naturellement avec joie, parce que j'y suis rentrée. Alors nous gardons le courage de papa. Il est parti, Natikele Bissouamo est mort. Parce que nous sommes déjà à la mort, comme on dit, et Kokisan, Tomoniango. Les autres, tout le monde a papa dans le cercle, on s'est présenté au Tali Caméra, Bazolando Mokilmo Bimba. Naga Sœur Clémence, en tout cas, Kolobabo, on a liwa à papa Beka. Et ça passe mingi. Qu'on perdre Beka, le monde entier, la habité dans le Vanini, vie dans la première main, pour t'aller à la télémie.
Et ça grâce à la prédication à BK. Ni t'étais ma prédication à BK. La royale aux années dans sa beauté. En tout cas, le monde entier mon bimba. La monité pasteur ni n'a pas connu ça à BK. En tout cas, tu es bon ici vraiment. Un bon choix à dire. Le monde entier mon bimba. Toujours les la papa la biso la mité ma passé mité maison qui mité maison qui tout ni maté mais tout ni maté. Merci beaucoup. Un mot. Comme du maté. C'est présenté. Un bon ancien Sarah. Madame Beka. Donc ton dit m'a quitté dans tout sauf ça. Donc, nous sommes tous les deux qui nous ont fait un peu pour la BK. Donc, c'est un bon papa. Donc, nous sommes tous les deux qui nous ont Rose. Nous sommes tous papa deux. Préciser tous à Wapi. Tous à la morgue à cinquantenaire. Tous à la morgue à cinquantenaire. Tu es collé là. Pour jouer avec ton papa, tout le monde à Raphaël. Vraiment, tous à choqué. Nous avons loupé ça. Tous à vraiment la passe dans mon thème. Merci beaucoup. Merci. Vous allez comprendre que Bakbaza est vraiment éparpillé parce que Mingi Bazos est là, la stade. Parce que ma signe, c'est un stade de Sika Kora Papa et Kozala. Ce qui est Awa, donc le pan est Kokokate. Yango Moni, Babi, Oaza, Dispo, Koki Koya, Poba Salamé. Tout le monde a déjà Kuna, tant que Papa Kora et Kobima, et aux attends, Yako. Filmé pour Nabino, tout ça, la moussa, Nabino, parce que moi, personnellement, papa m'a encouragé toujours, ma fille, il faut travailler, tu fais bien ton travail. Maintenant, je suis là, papa, il y a travaillé avec Exaltité, donc il y a Pinza Lingara, soit papa Ndimio, Azan Ndimio. Moi, je ne suis pas messagère, mais papa Ndimangaï, 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 et puis papa conseiller Ngaï, on a le baka, même quand Azan malade, n'a quoi, que ça, la bonne aïebi, papa Baroud a profité, mais Alali, Azongi na makolo ya mokili na ye. Toujours continuer. Bozomona ke tout le monde bazana passe na mutema même nga na azosala musala parce que comme lui même alobaki na nga que yemoko alobaki na nga ke musala na yo nde ekomema musika yango nazo continuer au travail. Toza vraiment na passe na mutema mais to lobani ni parce que toujours continuer. Donc toujours c'est l'accord à papa ce qui bimi. Vous allez voir bah oh yanzambe nenge kendaka eh vous allez voir tamba lobaka tambola na kubanga nzambe et salaka oui bat baroloba mama blanche auto kunde kalate papa qui était ya biso ba tutotikali na bomoni toza na biso ba meilleur té mais papa qui peut l'équipe papa té mais biso totikali tozo alison. Bonjour papa. Bonjour, bonjour. Je crois qu'on s'est présenté au petit témoignage. Je que vous allez bien pour notre papa au petit biso. Pourquoi? Parce que quand ce qui est bimé, tout en attente. Un témoignage surtout, c'est important. Kolobate. Mon nom c'est Faye Joseph. C'est quand tu es venu à la Oyo, na sala 3 mois. Mourant. Là, il fait Joseph Bimi Sanga Awa et bébé. Tout juste matin, on va me manger pas papa. Papa Bondela, de Naza invite. Amen. Là, il fait Joseph. Amen. Témoin, il a Awa. Amen. Maintenant, on a habité dans le Bani. C'était bon, papa. Chaque fan, on a bandé qui a pembe, il a yé. Papa, comment il a niveau, il a bomi même en Zinzalobi à Salini. Azana droit à cause à l'envie, tikaye à vivre. Donc amour ou moko na tikali comme on a. Merci. Bon papa vraiment nazoko quand même ekolofate. Merci beaucoup. On est là toujours de les acquérir, les ambassades, tikabiso na kimia fortifié biso parce que na ebini ni toko sala. Merci. 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 Toto, en réalité.
papa. Tomata ba ende. Eh pula pula la comme na Kinshasa papa. Toza la ki ba amiche. Toko mi mi kole papa mon mi sati dans la cola. Eh mata la. Papa la bai. C'est la beauté de mon père, gars. Ah, mais ça va pisser. Ah, mais quoi? 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 Nous avons besoin seulement des témoignages de papa parce que nous sommes déjà à la morgue pour récupérer les corps de papa. Et c'est bel et bien aujourd'hui que papa n'est pas sorti, bien qu'il n'est pas là. Mais il nous a toujours dit, le jour de ma mort, il faut rendre gloire à Dieu, il faut pleurer avec joie. Non seulement pleurer, mais adorer. Un mot pour le pasteur. Vous allez vous présenter et un témoignage, ça nous fera du bien. Vous avez fait combien de temps aussi avec papa Barout? Bon, d'abord, je suis le pasteur Godé Kadiab. Je viens de l'Angola, précisément à Luanda, de l'église Logos Tabernacle. Donc nous sommes une délégation de pasteurs, pour que les autres sont au stade, les autres sont là dehors. Voilà. Donc, nous avons le pasteur Claude Boule avec moi à côté, une délégation. Donc, je disais, je suis le pasteur Godé, le cœur palpite parce que nous sommes au dernier moment. Je comprends. Vraiment, la tristesse est tellement grande. Okay. C'est ce que je venais de dire autrefois, que quand le pasteur, quand vous suivez l'historique, quand le pasteur Barout a crié le message, selon les témoignages, en 75, moi j'étais un enfant de 4 ans. De 4 ans donc qui ne connaissaient pas l'histoire du message. Donc les témoignages que je peux donner par rapport à le travail qu'ils ont fait, si nous nous sommes pasteurs aujourd'hui, donc c'est par rapport au travail qu'ils ont fait. Donc ils ont fait un grand travail à travers le monde, à travers les pays. Donc nous sommes les fruits de ce travail-là. Okay. Je peux être, ce n'est pas le pasteur Barout qui m'a prêché le message, mais les gens qui nous ont prêché le message sont passés par là. Donc lui, il est l'icône de ce message. Quelle image vous gardez pour papa Barout, témoignage? Vraiment, d'abord... Même un seul. Comment? Un seul témoignage. Le témoignage de papa Barout. Oui. Bon, ce que je peux donner de papa Barout, je n'ai pas vécu trop près de lui, mais ce que je connais de papa Barout, c'est un homme qui était plein d'amour,
Et il ne s'énervait pas. Mmh. Même ses amis, ils pouvaient débattre, les contradictions et tout le reste, mais lui, il riait toujours. Okay. Mais comment on est en débat, mais toi, tu es là toujours souriant et tout. Il ne s'énervait pas. Ça étonnait tout le monde. Des fois, c'était des critiques, mais lui, vraiment, il gardait vraiment l'attitude de joie et tout, même dans les combats. Là. Mmh. Voilà, ce sont un peu des témoignages que nous autres aussi, nous pouvons profiter. On peut avoir des conflits et tout le reste, mais à garder vraiment un tempérament calme. Merci beaucoup. Okay. Si on peut faire parler aussi à notre pasteur, lui aussi, il est de l'Angola. Oui, oui. Il y a des gens qui sont français, lingala, portugais, phrase, mon corps, oh, papa, parce qu'il y a un minute, au mort, il y a mis mes alarabiens. Parce que si il y a un corps à papa, tout le monde est en tout au Coca-Cola. On en profite parce que l'archive érotique, là, le bito bandota, là, qui est non bisopé, tout ça, là, le rôle à papa, tout le temps, on a un bon ensemble, pour le bipé, tout le papa, dans l'école. Oh, le banin, pour le papa, Barouti, sa façon de parler, sa façon de prêcher et sa façon de craindre Dieu. Bon, le pasteur Barouti Azali, pasteur Nabiso, il est monté à Botibiso na Kondima. Azali, fier d'abord, pour un pasteur Lokolaï. Aza pasteur Moko a marqué Biso. Azali qui papa, Azali qui pasteur, Azali qui ami, na nyos. Pour partager un bon moment, na un temps un peu difficile. Azali, un modèle. Pour le christianisme. Il est un modèle. Il est aussi une référence pour un message du temps de la fin. À prêcher en haut, à vivre en haut. À la question de Bissoké, un homme peut aussi devenir un homme parole. C'est ça la prédication. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis vivre. Pour Azotea. Azotea, c'est un miracle, mais ils ont vivre et la vie où on est la parole. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est la vie à parole. Vie à parole. Azali na vie moko très humble, comme Jésus-Christ lui-même, comme aussi prophète Nabiso. Azali très simple. Très simple. Justement, dans vos hommes, on a déjà un miracle. Dernièrement, j'étais en coma. À Luanda. J'étais très malade, j'étais en coma et puis l'esprit est saisi à moi, je suis Benga, pasteur Barouti. Je bengiye, nazaki na mbetu, nazui maman fo. Maman fo a zui téléphone, a pessié. A bandi ko benga na démon. A li bisinga ozo kanine, na bi motema, bakanga motema vimbi. Ya lobi na kombo na Yesu Kristo yo ombre de la mort na réprimandé yo nga na mbetu na réprimandé yo tika serviteur de Dieu donc lobi bongo je me suis senti différent même le médecin était étonné le matin ils sont venus bazaye ko kanseré na zokufa mais ba moninga na telemi. Ça, c'est un miracle vivant que je vous dis maintenant là, que j'ai vécu dernier moment dans ma vie. Et pasteur Barouti, j'ai vu beaucoup de miracles. S'il faut témoigner, c'était plus un grand livre. Vous voyez que Jésus-Christ, c'est ce qui m'a amené à la Bible. Parce que c'est un miracle, c'est un souvenir. Pour nous, le jour du mariage, je n'avais pas d'argent pour me marier. Je suis allé chez lui, j'ai dit, on m'a volé l'argent. Et je n'ai pas, même pas d'habit. À son bilinga, après c'est une veste, après c'est une cravate, chemise. Après, il y a une nuance. Après, il y a une voiture. Après, il y a un bon. Il y a une foot pour la salle. Pour la salle. Donc, le souvenir est les alliés épelés. Merci beaucoup. Vraiment, tous ont perdu pas simplement quelqu'un comme ça. Nous avons perdu quelqu'un de spécial dans la ville. Je me rappelle, il disait toujours que Dieu lui a dit qu'il sera pasteur du Congo. Et je peux confirmer ça, qu'il était vraiment le pasteur parce que je vois tout le monde l'aime, tout le monde est venu dans son deuil, tout le monde le pleure. C'est qu'il avait marqué tout le monde. Il a marqué son époque à lui par la vie chrétienne. Il est un modèle et nous ne l'oublierons jamais. Merci beaucoup. Merci à vous.
Yeah!
Problème de peau, problème de digestion et vous avez du mal à dormir. Bienvenue chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, l'architecte par excellence de votre bien-être. Je me présente Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté et votre architecte par excellence. Chez Grâce Beauté, notre vision c'est de vous aider à vous réconcilier avec vous-même. On vous propose des soins personnalisés, oui, puisque vous êtes unique, votre bien-être aussi. On travaille sur trois énergies. Vous avez les skincare pour la peau, vous avez le côté holistique pour l'intérieur, pour refléter la beauté de l'extérieur. Oui, la beauté se conjugue avec notre bien-être de l'intérieur. Voilà, vous avez aussi l'Institut Grâce Beauté Mobile qui se déplace à votre domicile pour vous procurer des soins sur mesure tels que les soins de visage, les soins anti-vergeture et votre bien-être est à notre service. On vous dit à très bientôt chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, l'architecte par excellence de votre bien-être. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Combes-la-Ville. Ici c'est la compétence. Ici. On laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, ntaba, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Cannabiso, chez Chiquito. Au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Combes-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité. Venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise partie et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Ma maman, il y a valeur, ma maman kilo. Mais celle qui nous, on a cuisiné à propre. Il faut que la maison ait des aliments propres et à qualité. La maison à propre et à qualité, à ma casse, il y a bien. Et ça, c'est une adresse moko. Vous contactez la maison Zoé. Précis de l'époque, on a aidé le numéro de la maison Zoé. Et ça, la maison Zoé, Anna, la maison de Louis Akitoko. Donc vous contactez Maison Zoé. La Maison Zoé, en tout cas, n'invitez rien à dire. Côté Banzoum, à Kalima Solo, vous êtes partout. Et tout ça rappelle livraison. On en a Belgique, en Suisse, partout en France. Zoom, et comment vous la qualité vous pouvez la tienne à moi. Et en a l'eau, toi on a la couleur peut ébeller. Toi on a bleu, toi on a rouge, toi on a noir, mais tiens là, vous voyez. Moni, et ça 4 Zoom. La 3 par Kaloubouy. Donc, contactez la maison Zoé. Tout le monde qui a besoin de casseroles en très très bonne qualité, contactez la maison Zoé. Après, par moment, kilo, par moment, par la roulée de la papa, par la barbe, par une boîte, donc faut pas tout le peu, ça va être tout le monde. Déjà, le petit kilo, la personne qui commande, mais déjà, le petit la langue de la momia qui est. En tout cas, après cette commande, il n'y a plus de hésiter de contacter la maison Zoé. Numéro 1, vous avez un numéro de téléphone. Rapide, c'est opérationnel. Quand tu veux pas partout, la maison se voit. Maman Ruth, vous sentez le tabac? Chez maman Hélène qui soigne. Partout, vous avez un Hélène. On a Savigny, au WAP, au KIP, au Sorolia, du tabac fraîche, boué. Au Ngoul, démarrer voiture, Mbalamoro. Et pas maman Hélène qui soigne.
olia est assuré na prime qui est olia qui toque tala nga ne olia ta bou c'est tu ba tumba même temps aux olia propriété maramu tout qui toque maman Hélène qui suis ma suki kana mamba banta ba boeto ter apena service retard wana fête wana oh cérémonie mon peu importe baptême nuance asa service retard moko Vous avez un amour, non? Le bon moni, de quoi me dis-tu? Na 07 53 82 87 72 chez ma mère Hélène Kiswemi, Nazana Damarie Lelis, 456 avenue du colonel Fabien. Référence Nabiche Zali, Renault Mosquée. Nazan, okay. Tout près à gare, 12 minutes dans ma colonne. D'accord, gare à Mélin. Tu as un restaurant, ma belle, Nayo? Tu Na sara barquette na livraka na ba restaurant na livraka na ba mama oyo batekaka na ba wenze na livraka na ba ndako donc à partir ya 70 euros na ba ndako na ko livrer voilà il faut même tout lire en tout cas oya chez maman elle qui suit mon mafia non vous avez décidé chez Djonga restaurant spécialités africaines à la portée de tous un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7 Au numéro 2, rue François Villon, 94 230, à Cachan, en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil-Cachan, pour déguster des mets délicieux. Choix à la carte, Ntaba, Cabri, Brochette, Kamundele, Ngoulou, Madesu, Losonapundu, du poisson, du poulet mayo, Makayabu, Bitekutekou et j'en passe. Rendez-vous chez Djonga. Dans une ambiance musicale, modèle Yambo Cannabiso, chez Djonga. Venez, venez, vous allez vivre du vrai. Chez Djonga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukanama Solo, commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djonga. Non, mais c'est quoi qui s'en a? Chef, ma mère m'a passé l'un qui s'est passé, qui m'a dit que ma trousse m'a dit que c'est grave. La seule qui soit timide, la quatrième va rouge, va vivre là. Chef, moi si la télévision inanime. Chef, ici là. On m'a dit beaucoup de fois. Papa, on a évité qu'un laboratoire, mais un médecine, et c'est la mission solution. Où est-ce que la solution? Ignorant, c'est un lance. On m'a dit, Oyo. Signaliste suppositoire. Oyo. Signaliste comprimé. On a pas hémorroïde. Voilà. On m'a dit désostéril. Oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la basse. Et quoi aider ma casse. Mais borax. Ce que c'est ce traitement nuance tout. Il y a hémorroïde. N'est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous papa. Ce qui est bon, on mesure les centimètres avant de faire ça. Pour que vous ça, on mesure les sous-sous, on mesure les box, toujours champion. On comprend? La question nationale, la question, on consomme si comme soutien à Congo, quand on a un laboratoire, mais à Missine. Et puis, et ça l'a mis dans le à Congo. Dans le caca à Congo. Dans le mon soutien. Il y a Congo. Maman a conçu. Pichu Tondele,
dans la pharmacie et la formation, dans une formation à l'université à Kinshasa, la faculté à pharmacie, et puis dans la master, à niveau à l'université Marien Ngouabi, puis à niveau à Canada, la transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques, thérapeutiques, naturelles. Dans la ligue œuvre, dans le laboratoire CRMTA, ou dans le laboratoire MMC, spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire, qui s'est parti, il y a un été dans le biso, il y a un qui s'est nié son rôle aux hommes à la CRMTA et subir un essai toxicologique et puis un essai clinique. Et ça, la différence dans le biso, dans le tradit, parce que et subir quand même, moi, ma étude. Et puis, qui si on est dans la CRMTA, ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont autorisation d'ouverture, ils ont autorisation, il y a mis sur le marché, au niveau, il y a Mboka, et puis les bandes, il y a Mboka. Mais qui si on est toujours produit dans la CRMTA, et puis qu'on commande à n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça, la mort de Bisso, dans le tradit thérapeute ou le naturothérapeute. Oh, yeah, Miso. Don't get me. Awa na laboratoire, mais ici, dans ton pichou tonnelle, y'a des savants.